Au marché rail situé dans la commune de Manica par exemple, le sac qui revenait il y a un mois à 20 000 francs congolais se négocie à ce jour à 28 voire 30 000 francs congolais. Plusieurs raisons motivent cette hausse du prix du charbon de bois dans la ville de Kolwezi. C'est notamment la multiplicité des taxes ainsi que le mauvais état des routes des dessertes agricoles, explique Béatrice, une des vendeuses trouvées au marché devant plusieurs sacs de braise en vente. Le prix du charbon a haussé. Comme c'est la période pluvieuse, le petit sac, nous le vendons à 30 000, que le gouvernement aménage les routes pour l'acheminement de braise. À ce raison s'ajoute la hausse de prix des transports par sac de braise de la Brousse jusqu'à Kolwezi. Le prix du transport a haussé, déjà à partir de la provenance de la braise. Et certains chauffeurs évoquent le problème de carburant. À cela s'ajoute l'état piteux des différentes routes. Combustible utilisé beaucoup dans plusieurs ménages à Kolwezi pour la cuisson des aliments. La hausse du prix de la braise n'est pas sans conséquence sur le panier de la ménagère.